Atta Morrison, Alison, Marie-Alice. Aujourd'hui, je voudrais t'inviter à communier avec moi face à ton intransigeance ou à ton insistance de voler et cacher nos 5 enfants depuis l'année 2008, c'est-à-dire depuis 4 ans. Dans Psaume 24, versets 4 à 5, voilà ce que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous dit. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Fin de citation. Je vais reprendre ce passage biblique pour que le message passe clairement. Face à l'intransigeance et à ton insistance de voler et cacher nos enfants, Atta Morrison, Alison, Marie-Alice, voici un passage biblique que je voudrais partager avec toi aujourd'hui. Donc, je voudrais t'inviter à communier avec moi ce matin sur ce passage de la Bible. Dans Psaume 24, versets 4 à 5, voici ce que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous dit. Et je cite. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui livre, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Fin de citation. Et donc, j'ai voulu partager ce passage biblique avec toi, Atta Morrison, ce matin, pour te dire que lorsque tu iras à la justice de l'État de New York et tu formules un mensonge grotesque pour dire que M. Aka Kaku, mon mari, avec qui je vis à la maison, m'a battu jusqu'à 100. Et j'ai coulé du sang et j'ai dormi dans le sang jusqu'à ce que ma soeur vienne me prendre, vienne me découvrir et appeler l'ambulance pour que l'ambulance m'amène à l'hôpital. Ensuite de ce mensonge, tu demandes et obtiens l'ordre de protection et tu mets à la rue de New York. Tu jettes à la rue de New York ton mari Aka Kaku. Et pendant qu'il dort dans la rue de New York sans abri, tu mets en location la maison qui vous abritait tous ensemble. Pendant plusieurs années, tu collectes de l'argent et puis, entre-temps, tu passes des séjours de refuge à Columbus, Ohio. Et en plus de cela, tu ramasses vos enfants et tu les parachutes quelque part en Afrique, dans le tiers-monde.
Si tu as compris bien le passage biblique de ce matin, tu ne gagnes rien en faisant tout ça. Et donc, toi qui prétendument vas à l'église, j'ai jugé nécessaire ce matin de communier avec toi sur le psaume, ce que dit le psaume 24 de la Bible, traduit par le docteur Louis Gon. Et donc, je crois que si tu as compris ce message, tu feras mieux d'envoyer nos enfants dans les États-Unis dans les meilleurs délais. Mon numéro 646 512 61 91. Merci.